Plus de 2 jours après le crash du vol MS-804 de la compagnie Égyptaire, le mystère plane toujours sur les causes de l'accident. Vendredi, des médias américains ont fait savoir que le système de communication de l'Airbus avait émis des alertes pendant 2 minutes. L'une d'entre elles signalait une fumée à l'avant de la cabine et l'autre, une défaillance de l'ordinateur gérant les commandes du vol. Des informations confirmées ce samedi par des enquêteurs français. La direction d'Égyptair s'abstient toutefois de confirmer ou d'infirmer ce nouveau développement. Aux premières heures du crash, la piste terroriste avait été mise en avant par les autorités égyptiennes. Mais aucune revendication n'a encore été faite. Pour l'heure, seules les boîtes noires de l'appareil pourraient renseigner sur les raisons de ce crash. Vendredi, des débris de l'appareil, un membre humain et quelques affaires des passagers ont été repêchés par l'armée égyptienne. L'avion qui effectuait la liaison Paris-Le Caire s'est abîmé en Méditerranée dans la nuit de mercredi à jeudi, avec à son bord 66 passagers de diverses nationalités.